On arrive sur un grand placard pour poser directement sa veste et ses chaussures, son sac, avant de rentrer dans la maison. On arrive sur les pièces à vivre, donc salle à manger, séjour. On a même la place de faire un petit coin bureau. Ensuite, sur le côté, comme vous le voyez, on a de la place pour faire du rangement. On a la place pour sèche-linge, le four évidemment, le micro-ondes, le lave-vaisselle, la machine à laver et du rangement. Cette cuisine est faite avec, je trouve, beaucoup de goût. Autre point positif de cet appartement, ce sont ses plafonds hauts et ses grandes fenêtres qui vous donnent beaucoup de luminosité, malgré le temps pas au rendez-vous aujourd'hui. Ensuite, on arrive sur le coin de lit. Et qu'il y a des rangements ici et là. Et la place pour en créer d'autres également. Le point fort des chambres, c'est qu'en fait on a vraiment une vue sur la verdure. Donc de l'autre côté, on est côté commerce, proximité, tout ce qui est pratique. Et de ce côté-là, on est totalement au calme. Ici, nous avons la deuxième chambre. Cette chambre, toujours au plafond, fait environ 15 mètres carrés. Vous avez une clim réversible aussi, comme dans l'autre chambre. Et vous avez surtout vos espaces. Ici, nous avons un grand placard très profond. Je ne sais pas si ça ressort bien au niveau de la vidéo. Il y a également du rangement ici. Donc, je récapitule. Un appartement lumineux avec une belle pièce à vivre bien ouverte. On a des rangements partout. On a deux grandes chambres, de belles pièces, un hall d'entrée permettant du coup de ranger les affaires en arrivant. Je vais vous faire visiter. Et nous avons aussi la salle d'eau qui se situe ici, qui a donc le lavabo, les toilettes. Ici, on aurait une place pour faire du rangement. Et là, le cumulus. À côté, nous avons la douche. Une jolie douche. Et la place pour un petit placard. Copropriété avec peu de charge. Et merci pour cette visite et à bientôt.